Il y aura un ajoutant au Faradé d'Aïtienne et Pepeu. Mon diamant est ici, il y aura un ajoutant au Faradé d'Aïtienne et Pepeu. C'est un ajoutant au Nounati, à moi, il y a un ajoutant au Faradé d'Aïtienne et Pepeu. Mon papa est là, tatou patoa. Il y a un ajoutant au Faradé d'Aïtienne et Pepeu. Tout à tout au Faradé d'Aïtienne et Pepeu. Bonjour tout le monde. Messieurs et mesdames les représentants du pays, et Tamana, cher public, les journalistes, les médias présents, Yorana, nous allons donc démarrer la séance. Et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre vous informant de la réunion de ce jour. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 11 avril 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer qu'une motion de défiance a été déposée le 10 avril 2008 à l'Assemblée de la Polynésie française par 15 représentants. Conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française se réunira le mardi 15 avril 2008 à 9 h. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Oscar Manoukhi-Temaru. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de faire l'appel des représentants. Madame Algon Emma, présente. Monsieur Alpha Théari, présent. Madame Big Sabrina, absente. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Rodia Rosine, présent. Madame Chavez Daphné, présente. Monsieur Jacques Drolet, absent. Monsieur Foster Temauri, présent. Madame Frébo Joël, présente. Madame Galnon Minari, absente. Madame Haïti Pascal, absente. Monsieur Anderson Georges, absent. Madame Irshon Nounoutea, absente. Madame Iriki Teura, absente. Madame Isa Leifara, présente. Madame Jennings Tetouanoui, absente. Monsieur Kautey Benoît, présent. Madame Lévi Agami Sandra, présente. Monsieur Lison Marcelin, présent. Monsieur Mamato Yehuta Povito, absent. Madame Maraya Emma, présente. Monsieur Maraoula Teina, présent. Madame Mataoua Léonie, présent. Monsieur Mataoua Mayron, absent. Madame Mati Juliana, absent. Madame Mercerel Armel, présent. Monsieur Moutam Thomas, absent. Madame Naya Teripaya Maron, absent. Madame Olivier Marise, absent. Madame Opanik, absent. Madame Parker Eleanor, présent. Monsieur Porlier Teikinoui, présent. Madame Richton Monique, absente. Monsieur Roumataro Fernand, présent. Madame Aïna Sage, présent. Monsieur Chil Philippe, présent. Madame Saint-Jou Tarita, absente. Madame Tahiata Flores Chantal, absente. Madame Tahuatama Juliette, absente. Madame Tama Françoise, absente. Monsieur Tanso Robert, présent. Monsieur Chouyoun Tonghi Achang, présent. Monsieur Tefarere Hiroiti, présent. Monsieur Temaru Oscar, présent. Monsieur Temiharu René, absent. Monsieur Teremate Ruben, absent. Monsieur Teripaya Mita, présent. Madame Teruatia Sylviane, présent. Madame Teora Justine, présent. Monsieur Tonson Gaston, présent. Monsieur Touahou Ismaël, absent. Madame Touchobia Catherine, absent. Madame Vernaudan Béatrice, présent. Monsieur Vernaudan Clarence, présent. Monsieur Vijaki, absent. Monsieur Yip Michel, présent. Voilà, monsieur le président, vous avez le courant. Je demande au deuxième vice-président, monsieur Hiro Tefarere, de bien vouloir prendre ma place. Voilà.
Eh, ada tak tuh rumah itu? Terhoyer hai. Kemeh hoye. Aku efan ot peritni la wane perut ayat edir oye teyeruda. Teyrikin eu teyeruda. La séance est ouverte parce que je n'ai pas entendu le président dire que la séance était ouverte. Donc la séance est ouverte. Madame la secrétaire générale, pouvez-vous donc donner lecture de l'ordre du jour? Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie hier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, discussion générale sur la motion de défiance. Point 3, vote de la motion de défiance. Et point 4, clôture de la séance. Voilà, monsieur le Président. Nous qui sommes présents, je vous demande d'adopter l'ordre du jour. Qui est pour? À l'unanimité. Unanimité. L'ordre du jour est donc approuvé. Nous passons donc à la discussion générale sur la motion de défiance. Lors de la réunion de la conférence des présidents, 10 minutes a été attribuée à M. Jean-Christophe Bouissou, 10 minutes à M. Teina Maraouda, 10 minutes à M. Tefaora Temari Tongson et 60 minutes au gouvernement pour défendre l'action de leur ministère. Mais auparavant, je demande donc à Mme Chavez de bien vouloir donner lecture de la belle motion de défiance. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, chers publics, mesdames et messieurs de la presse, Yaorama. Motion de défiance. Les représentants sous-signés décident, en application de l'article 156 de la loi organique portant statut de l'autonomie de la Polynésie française, de mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française en déposant la présente motion de défiance. Les motifs sont les suivants. Grand 1. À l'occasion des élections territoriales des 27 janvier et 10 février 2008, les électeurs polynésiens se sont exprimés majoritairement en faveur de l'autonomie. Ils ont aussi exprimé leur rejet d'une politique clientéliste et d'un assistanat outrancier. Malgré ces choix forts et clairs de la population, lesquels auraient dû porter légitimement au pouvoir M. Tongson, président de Totato Aya, des événements liés à diverses compromissions politiques ont érigé à la tête de la première institution du pays, M. Gaston Flosse, grand perdant des élections territoriales. Le manquement à la parole donnée ainsi que le parjure public ont été les outils et ont permis son retour au pouvoir. Le 23 février dernier, en effet, M. Flosse a été élu sans programme ni aucune perspective crédible pour le développement économique, social et culturel pour la Polynésie française. Or, la Polynésie française a besoin d'une ère nouvelle de prospérité et de partage. Il lui faut, pour cela, instaurer la réconciliation entre les Polynésiens, assurer la stabilité politique et institutionnelle, établir durablement des relations confiantes et apaisées avec l'État, relancer le processus de développement de l'économie polynésienne, réformer les comportements politiques, éléments de gestion de l'action publique, préserver l'unité de la Polynésie française. Il convient désormais d'engager le pays sur toute la période de la mandature dans un esprit de partenariat sincère, confiant et loyal avec la République. Une nouvelle majorité, plus conforme aux aspirations de la population, doit maintenant mettre en œuvre un programme de développement dont les principales orientations sont énoncées ci-après.
Il respecte les 225 mesures présentées par Totato Aïta à la population et s'inspire également de propositions d'autres partenaires. Les membres de la majorité pourront cependant, à tout moment, proposer des améliorations et des orientations nouvelles pour plus d'efficacité à la discussion des partenaires. Le président de la Polynésie française fixera, après concertation avec le comité de majorité, les priorités annuelles et le rythme de mise en œuvre du programme. Conformément aux engagements pris devant la population, il rendra compte semestriellement de l'exécution du programme. Les principales orientations programmatiques. La famille et la jeunesse seront placées au cœur du progrès économique, social et culturel de notre pays. Un développement que l'on souhaite d'abord au bénéfice de la population, par plus d'emplois durables et une meilleure qualité de vie au quotidien. Petit 1. La relance économique. L'économie polynésienne a besoin d'une relance massive de l'investissement public et privé par l'ouverture de nouveaux grands chantiers structurants pour les décennies à venir. Cette relance ne peut avoir lieu sans le soutien financier et des relations étroites et confiantes avec l'État. Petit 2. Développement des ressources propres de la Polynésie française dans le cadre d'un schéma d'aménagement de l'espace et de développement défini en concertation avec les partenaires institutionnels, les acteurs économiques et la population. Les investissements publics et privés doivent s'intégrer dans un plan général de développement qui favorise la valorisation des ressources propres du pays et la maximisation des retombées économiques locales, notamment dans les archipels. La création de pôles de compétitivité, le soutien et l'accompagnement aux TPE-PME, la mise en œuvre d'une fiscalité adaptée au secteur à développer, une stratégie de spécialisation du développement des archipels devient des objectifs à atteindre. Une nouvelle politique énergétique visera la substitution des énergies fossiles par des énergies propres et renouvelables. Le tourisme constitue le moteur économique privilégié de notre développement. Notre environnement unique et préservé constitue son atout majeur. Dès lors, la préservation et la mise en valeur de notre environnement deviennent une priorité qui sera traduite en termes de financement public. L'agriculture, la pêche, la pelliculture, ainsi que les autres branches d'activité créatrices de ressources propres du pays seront soutenues par des mesures appropriées de développement et de financement de projets. La réglementation dans ces domaines sera révisée pour mieux s'adapter aux exigences du développement et s'attachera notamment à instaurer un statut et une protection sociale aux pêcheurs professionnels. Petit 3. Le rétablissement du dialogue social et du sens du partage permettant l'élaboration et la mise en œuvre d'une réforme consensuelle de notre système de protection sociale généralisée. Le rétablissement du dialogue social doit avoir pour objectif l'élaboration d'un pacte social entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux portant notamment sur le pouvoir d'achat, les prix, l'emploi, le salaire et le chômage. L'évaluation et la réforme de la PSG seront immédiatement engagées compte tenu des nouveaux enjeux démographiques et financiers. Le système sanitaire doit être évalué et son mode de financement remis à plat afin d'assurer
une part, la modernisation et la pérennité de la qualité de l'offre de soins en général et de garantir, d'autre part, un accès et un niveau de soins appropriés dans les archipels. Petit 4. L'amélioration du niveau d'instruction générale de la population et la lutte contre l'illettrisme avec notamment le renforcement de l'école des parents, la multiplication et l'amélioration de la qualité des internats, en particulier en faveur des élèves des îles, la généralisation de l'école du soir. Petit 5. Création d'emplois durables et insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. L'emploi est au cœur des priorités de la majorité. La création d'emplois sera dorénavant mise au cœur des aides directes et indirectes attribuées aux entreprises. Les dispositifs d'emploi aidés seront améliorés car ils constituent souvent un préalable à l'accès à l'emploi durable. Petit 6. L'insertion sociale et professionnelle des jeunes, qui représente plus de 50% de la population, est une priorité. La concertation prévue dans les règles de gouvernance ci-dessous doit conduire à associer les représentants des mouvements de jeunes aux décisions publiques afin de permettre une meilleure prise en compte de leurs problématiques. Le logement, les études, la première embauche, l'ouverture sur le monde, les espaces de rencontre, etc. Par ailleurs, une politique volontariste d'insertion sociale doit focaliser son action sur la lutte contre toutes les formes d'exclusion des jeunes, toxicomanie, la violence, tentative de suicide, et mettre en œuvre un dispositif de type service civil basé sur le volontariat pour réinsérer et responsabiliser les jeunes en rupture avec la société. Une évaluation des aides attribuées au secteur jeunesse et sport sera réalisée et une réforme de leur mode d'attribution sera mise en œuvre afin d'améliorer l'efficacité et la lisibilité de la dépense publique. Cette réforme favorisera la conclusion de contrats d'objectifs et la mise à disposition de moyens sur les périodes pluriannuelles. Petit 7. Le plan des 500 cadres pour la formation de cadres polynésiens dans les domaines d'activités publiques et privées essentiel au développement économique, social et culturel, en conformité avec le schéma directeur de développement précité. La valorisation des acquis de l'expérience sera également renforcée afin de reconnaître la progression professionnelle des travailleurs. Petit 8. Partenariat entre pays et communes. L'action publique doit être plus proche des réalités et des besoins des populations, d'une part, et mieux adaptée aux spécificités des communes, tout particulièrement des communes éloignées, d'autre part. Dans cette optique, il convient de mettre en œuvre concrètement l'esprit de décentralisation en faveur des communes prévu par les dispositions de la loi organique de 2004, et de prévoir les mécanismes réglementaires de concertation obligatoire des populations et élus communaux sur les projets les concernant. Petit 9. La fracture sociale s'est accentuée au cours des dernières années. Sa réduction indispensable au maintien de la cohésion sociale nécessite l'adoption de mesures sociales urgentes et forte et un partenariat avec les communes pour mettre en œuvre une action sociale de proximité. Cet effort passe par la relance de la construction de logements sociaux, la mise en accession à la propriété des logements sociaux, la réalisation des programmes de résorption d'habitats insalubres et le renforcement des actions de la politique de la ville avec le soutien actif du tissu associatif
et une professionnalisation des intervenants pour une meilleure proximité et réactivité. Cet effort sera couplé avec l'amélioration des dispositifs d'insertion par l'emploi, l'amélioration des minima sociaux sous condition de ressources et l'extension de l'aide familiale au logement, au parc de logements privés agréés. Petit 10. L'amélioration du pouvoir d'achat passe par la réduction du coût du panier de la ménagère, par des baisses de taxes ciblées et par l'amélioration de la concurrence, conjointement à l'ouverture de discussions avec les professionnels sur la maîtrise des marges sur des produits déterminés. La mise en place d'un observatoire des prix et des marges est un impératif. Pour les archipels, le coût du fret de certains matériaux de construction sera réduit. La continuité territoriale intérieure, sous condition de ressources, sera instaurée afin de faciliter la mobilité des familles polynésiennes. Petit 11. Les problèmes de circulation dans l'agglomération urbaine nécessitent la mise en œuvre d'un programme s'appuyant sur de nouvelles infrastructures routières et la rénovation du système de transport en commun. Le transport en commun doit devenir une véritable alternative à l'usage de la voiture. Au plan territorial, l'amélioration des transports maritimes et aériens doit également permettre la poursuite du désenclavement des îles éloignées. Petit 12. La question récurrente du foncier peut être résolue par une action volontariste. Elle passe par la mise en place d'un partenariat pays-État pour gérer le financement de l'aide juridictionnelle et la mise en place du tribunal foncier avec magistrats supplémentaires. Elle passe également par l'élaboration d'une loi de pays sur la gestion de l'indivision après une large concertation. Elle passe aussi par la mobilisation de moyens financiers supplémentaires du pays pour terminer le cadastre et la numérisation des documents fonciers en vue de leur mise à disposition auprès des communes et des services déconcentrés. Enfin, elle passe par la formation adaptée et le recrutement de jeunes juristes polynésiens pour renforcer les moyens de la direction des affaires foncières et notamment la mise en état des dossiers à soumettre à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et la réforme de la publicité foncière. Petit 13. L'évolution socio-économique de la Polynésie française doit se faire dans une démarche de protection et, le cas échéant, d'exploitation maîtrisée et réglementée de l'environnement dans l'optique d'un développement durable préservant l'avenir des générations futures. Petit 14. Valorisation et expression de la culture polynésienne. L'objectif est de permettre aux Polynésiens de connaître et de vivre leur culture dans toute l'étendue de sa richesse. Le rôle des parents dans l'éducation des enfants et la transmission des savoirs, capacités et compétences sera valorisé. Parallèlement, il convient d'accroître les moyens accordés au secteur culturel, rénover et développer les équipements, apporter un soutien actif aux auteurs, compositeurs et producteurs de musique et d'œuvres audiovisuelles, et plus particulièrement donner un statut et une protection sociale aux artistes. Petit 15. La renaissance et le soutien aux associations et bénévoles, garant de l'intégration sociale de la jeunesse par le sport, les arts et la culture, mais aussi de la protection de l'enfance, de la nature. Petit 16.
la couverture numérique à haut débit doit bénéficier au plus grand nombre et être au service du développement de l'ensemble du pays. Motif 2. Les règles de gouvernance. Les règles de conduite et les principes d'action à respecter par les membres de la nouvelle majorité s'appuieront sur, petit 1, l'instauration d'une véritable culture de la responsabilité et du résultat. Les responsables politiques devront énoncer de manière semestrielle, annuelle ou pluriannuelle leurs directives adressées sous forme de lettres de mission aux services chargés de les mettre en œuvre. L'efficacité de l'action publique commande la mise en place d'un nouveau rapport entre les responsables politiques, notamment les ministres du gouvernement et les services et établissements dont ils doivent assurer la tutelle. Cette nouvelle relation doit avoir pour effet de faire collaborer tous les agents à l'innovation. La constitution des équipes présidentielles et ministérielles répondra aux règles suivantes. Le choix du nombre de ministres avec un réel compromis entre économie et efficacité. La diversité des personnalités du gouvernement. La limitation du nombre de collaborateurs. La compétence réelle des collaborateurs avec des recrutements et des rémunérations justifiées par le niveau d'études et ou d'expérience. Dès sa mise en place, le gouvernement s'attachera à lancer un audit financier des comptes publics afin de réaliser l'état des lieux du pays. Cet audit sera étendu aux principaux offices, établissements publics et associés et sociétés d'économie mixte. Petit 2. L'instauration d'une culture de la concertation et de la transparence. Le président, les ministres, les chefs de service ou directeurs d'un établissement public mettront en œuvre une concertation permanente avec les partenaires des secteurs dont ils ont la charge. Petit 3. La dépolitisation des commandes et aides publiques. L'importance des commandes et aides publiques pour l'activité économique et la cohésion sociale est considérable. La nouvelle majorité réduira la représentation politique dans les commissions portant attribution de marché et aide publique, à renforcer les critères réglementaires d'attribution des dits marchés et aides publiques et à en préciser, quand cela s'avère nécessaire, par voie de circulaire, les dispositions d'application. Comme pour l'ensemble de l'administration, le travail des commissions sera l'objet d'une évaluation qualitative indépendante par l'inspection générale de l'administration. Grand 3, motif 3, présidence de la Polynésie française. Monsieur Gaston Tongson est notre candidat aux fonctions de président de la Polynésie française. Marie Faro Amen et Yorana. Silence, s'il vous plaît. Silence, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, taisez-vous. Madame, taisez-vous. Faites-la sortir de la salle. Faites-la sortir de la salle, elle n'a pas le droit. Faites-la sortir de la salle, s'il vous plaît. Faites-la sortir de la salle, s'il vous plaît. Madame, vous n'avez pas le droit de prendre la parole. Faites-la sortir de la salle, s'il vous plaît. Dehors, madame. Madame, s'il vous plaît. Dehors, merci. Les mouteuils là de la présidence, soyez plus répondants. Hein. Vous devez mieux répondre aux exigences du président. On reprend nos travaux avec...
Malgré ce petit incident, la discussion générale est ouverte sur la motion. J'invite donc le premier intervenant, M. Jean-Christophe Bouissou, à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du gouvernement absent, Monsieur le Vice-président du gouvernement absent, Mesdames et Messieurs les ministres absents, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais, Monsieur le Président, avant tout saluer le sens des responsabilités de notre Président de l'Assemblée de la République française, Monsieur Oscar Manoutaïté-Marou, qui a pris ses fonctions ce matin malgré des conditions certainement politiques difficiles. Et je tenais à saluer ce sens de la responsabilité qu'il a. Mesdames et Messieurs, nous voici réunis en ce jour du 15 avril 2008 pour décider ensemble du destin politique de notre pays. Ce destin qui va conditionner la vie de nos concitoyens au quotidien. Ce quotidien que nous souhaitons tous améliorer, tellement nous avons pris du retard dans de nombreux domaines. Ça a été rappelé tout à l'heure, comme la circulation routière, la mise en œuvre d'un système de transport en commun efficient, comme la création d'emplois qu'attendent des milliers de personnes et surtout de jeunes, grâce au développement réel de nos ressources propres, à l'instar du tourisme qui doit être notre moteur de développement économique. Ou encore, un meilleur système de santé à la portée de tous, car proche des populations, surtout des plus éloignées. Une éducation capable de donner une chance de réussite à nos enfants. Une politique sociale qui mettra enfin les moyens nécessaires pour garantir un logement à chaque famille, qui n'oubliera pas les jeunes couples, qui apportera un niveau de vie décent aux plus démunis. En d'autres mots, une autre politique que celle mise en œuvre depuis de trop nombreuses années, basée sur la dilapidation insensée de nos ressources au moyen d'un clientélisme acharné ou d'un assistanat néfaste et irresponsable pour le devenir de notre société. L'ère du CEP est derrière nous. Le temps de la politique stérile, tendant à endormir le Polynésien sous perfusion pour mieux l'exploiter ensuite, est révolu. Le temps de la facilité n'est plus qu'un mirage qui doit nous inciter aujourd'hui à nous retrousser les manches pour travailler. Il ne s'agit pas pour moi ici de faire le procès de nos aînés. Je crois que nos sociétés humaines évoluent grâce à l'expérience de celles et ceux qui nous ont précédés. La Polynésie a vécu les années du nucléaire, avec ses inconvénients, et le mot est faible, et ses avantages. Les échecs passés doivent nous pousser à grandir et à gagner en sagesse. La période d'incertitude que nous traversons depuis mai 2004 sur le plan politique, économique ou social n'est pas l'effet du hasard. Elle fut certainement nécessaire en vue de faire prendre conscience de la nécessité de diriger résolument notre pays vers un autre destin que celui dessiné depuis la mise en place du CEP en 1960. Cette mutation tant nécessaire à la Polynésie du XXIe siècle passe par de nouvelles méthodes d'organisation ou de gestion et par d'autres attitudes politiques. L'amélioration du corps social ne peut provenir que de la production et de la répartition plus juste des richesses. Pour cela, il convient que nous mettions en œuvre une nouvelle politique basée sur la réalisation d'un programme économique, social et culturel accepté et souhaité par la population. C'est l'essence même de la notion de démocratie, gouvernement par le peuple. Le peuple, nous l'avons consulté il n'y a pas très longtemps. Il nous a adressé un message clair. Rassemblez-vous pour garantir à notre pays l'essor tant nécessaire à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais garantissez également au pays la préservation de relations fortes avec l'État.
Tautato Haia est né de ce dynamisme et de ce message fort transmis par nos concitoyens. Nous nous sommes rassemblés avant les élections afin d'œuvrer en toute transparence. Nous avons élaboré un programme ambitieux de 225 mesures. Nous avons, avec peu de moyens, communiqué notre volonté de le mettre en œuvre en garantissant l'information constante de la population par des bilans d'étape semestriels. Nous avons en cela respecté l'esprit de la nouvelle loi organique portant statut de la Polynésie française en affichant clairement l'alliance que nous présentions à la sanction des électeurs polynésiens. Nous avions même affirmé que nous souhaitions une union sacrée des autonomistes afin de sortir de cette période d'instabilité politique et institutionnelle. La population nous a accordé sa confiance en érigeant Tautato Haia au premier rang des listes ayant concouru. 60 000 électeurs, record absolu pour une formation politique née il y a à peine quelques mois. Ensemble, avec le Tahoeira, qui s'était engagé par un serment solennel entre les deux tours à construire une majorité républicaine avec nous, les autonomistes réalisaient un score de 65% des suffrages, légitimant ainsi les valeurs que prône notre population. Malheureusement, ce destin naturel que j'évoquais en préambule a été anéanti par le parjure, la cupidité et la soif du pouvoir d'un homme. Celui-là même qui oublia l'adage « bien mal acquis ne profite jamais », oubliant les paroles sacrées prononcées face à chaque Polynésien. Il a cru que nous étions encore en 1960, que les Polynésiens peuvent être considérés comme étant des êtres malléables. C'est méconnaître l'évolution de notre société et l'existence de cette nouvelle génération qui ne souhaite plus qu'on lui mente à tout bout de champ. La responsabilité de Tautato Haia aujourd'hui est de remettre notre pays sur sa vraie voie. C'est de rendre aux Polynésiens le sens originel de son vote. C'est de redessiner cet autre destin confisqué dans les arcanes du pouvoir pour assouvir les seules volontés d'une oligarchie devenue sourde et aveugle au gémissement de la population. Merci Justine, merci Michel, pour votre geste qui demeurera ancré dans l'histoire de notre pays. Vous avez su affronter le mépris, vous avez su dépasser les passions qui se sont déchaînées. Vous n'avez pas succombé aux diverses tentations ou aux pressions exercées sur vous. Merci à nos amis du groupe Temana no Temomotu, et principalement à son président, M. Teina Maraura, qui a su discerner dans cette ambiance politique la nécessité de faire en sorte que nos archipels existent dans notre institution. La Polynésie, sachez-le, vous doit désormais beaucoup. Aussi, le temps est venu de nous retrousser les manches et de mettre en œuvre le seul programme qui aura été sanctionné par la population avec son approbation. Pour poser la première pierre de cette nouvelle ère, il convient dès aujourd'hui de voter la motion de défiance exposée devant nous par Daphné Chevet. Son approbation déclenchera, j'en suis intimement convaincu, le premier acte d'une Polynésie qui se reconstruit sur des bases solides et confiantes avec la solidarité nationale. C'est avec la France que nous construirons cette Polynésie-là. Le président de la République, M. Nicolas Sarkozy et son gouvernement n'attendaient finalement qu'un simple geste de notre part. Ce signe envoyé à Paris, nous allons l'accomplir également aujourd'hui. Le projet de contrat de projet qui marquera le rétablissement des relations apaisées et confiantes avec l'État, nous le signerons avec Gaston Tong-Song comme président du pays demain et je vous demande de l'applaudir. Nous appelons les acteurs économiques et sociaux à prendre une part active dans la remise en route de notre économie. Nous souhaitons que chaque Polynésien trouve sa juste place dans notre société, dans cette société que nous apprêtons à construire ensemble. Pour une Polynésie ouverte sur le monde, fière de sa culture et de son identité au sein de notre autonomie constitutionnelle, j'appelle chaque représentant à la dignité retrouvée en censurant le gouvernement de M. Floss, et en accordant notre confiance à M. Gaston Tong-Song
pour mener notre pays vers son destin véritable. Je vous remercie. Merci, M. Bouissou. M. Maréoula, vous avez la parole. Monsieur le Président, je désiste à mon tour de parole. Maruru. Monsieur Tangson, Tefaoratemari, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, messieurs les présidents de groupe constitués au sein de l'Assemblée de Polynésie française, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires et religieuses, messieurs, mesdames de la presse, les médias, chers collègues, chers publics de toute la Polynésie française qui nous écoutent, qui nous regardent, ainsi que nos résidents qui sont à l'extérieur de notre Fénois et qui suivent actuellement ces débats par le moyen de l'Internet. À vous tous, je vous adresse mes chaleureuses salutations. Le 23 février dernier, une majorité des représentants décidait d'élire un de ses membres aux plus hautes fonctions de notre pays. Cette élection est-elle légale? Il est possible que nous ne le sachions jamais, puisque si nous votons la motion de défiance, le Conseil d'État jugera peut-être que notre requête en annulation est devenue sans objet. Mais en politique, le meilleur juge, c'est le peuple. Mais ce qui est sûr, c'est que cette élection n'était pas légitime et que cette élection n'était pas morale. Elle n'était pas légitime parce que tout le monde s'attendait à ce que le candidat de la première force politique de notre pays soit élu. Elle n'était pas légitime parce que on n'a jamais, dans notre pays, voire ailleurs, vu le candidat le moins représentatif de la population présider aux destinées de notre pays, sauf dans certains pays qui ne connaissent pas la démocratie. Cette élection n'était pas morale, parce qu'elle s'est faite au prix de la trahison d'un serment solennel, d'une parjure par le candidat. Ce que nous proposons de faire ici, aujourd'hui, c'est de sanctionner ce parjure, de montrer à nos enfants que le mensonge ne paye jamais, que la parjure ne paye jamais, et que le tricheur est finalement démasqué. Cette élection illégitime et immorale, nous vous invitons aujourd'hui à l'effacer, à faire place à la confiance dans notre avenir, dans la paix. J'ai décliné devant vous mon programme de gouvernement le 23 février dernier. Vous le connaissez donc. Les grandes orientations sont reprises dans le texte de la motion de défiance. Ce programme était celui qui a été convenu entre nous et le Tahoeira Huiratira, même si Totato Aya l'avait très largement inspiré. Il n'est pas question pour moi de changer une virgule de cette proposition, de cet accord mis en majorité que j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer a été paraphé, signé par l'ensemble des 29 élus de l'Assemblée de Polynésie française. Et c'est celui-là, c'est ce programme-là que je souhaite appliquer, si vous y consentez. J'aurais préféré être en train de l'appliquer depuis plusieurs semaines, mais les événements ont tourné autrement. Et nous sommes arrivés à l'extrême, aujourd'hui,
pour rétablir la justice des urnes. Chers amis, on ne construit pas la stabilité, on ne construit pas le développement et la paix sur des bases aussi fragiles que l'appétit du pouvoir et la rancœur personnelle. Je vous le disais déjà le 23 février dernier, je n'ai pas besoin de me réfugier derrière le mot de paix pour justifier mes actions, parce que la paix, pour moi, n'est pas un vain mot. Je vis la paix, je vis en paix, et je souhaite que nous la partagions. Jamais je n'ai entendu autant de haine dans les propos d'un gouvernement à l'égard de l'opposition qu'aujourd'hui. Je vous le promets, je n'aurai à son égard que du respect et de la tolérance. J'aurai l'humilité de savoir écouter et construire avec toutes les personnes de bonne volonté. Mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, je vous propose d'ouvrir au Tahoeira Huilatira celui qui devait être notre allié naturel, parce que je sais que dans ce parti il y a des élus qui n'ont pas accepté le choix de leur chef et qui sont prêts à donner une chance à la voie que je propose. Mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, je vous propose également d'ouvrir à l'UPLD. Parce que je sais que dans ce parti, il y a des élus qui n'ont pas l'obsession de l'indépendance et qui sont prêts à travailler pour le développement de notre pays en respectant le choix de l'autonomie fait par les électeurs. Enfin, je veux pouvoir travailler en confiance avec le président de l'Assemblée de Polynésie française, lui dire qu'ensemble, dans le respect de nos compétences respectives, nous pouvons travailler utilement pour l'avenir de nos enfants et des générations polynésiennes à venir. Maruru. Merci, Monsieur le Président. J'invite le gouvernement absent à prendre la parole pour défendre sa position. Comme moi, vous constatez qu'il n'y a aucun membre du gouvernement présent dans l'enceinte. Donc, la discussion générale sur la motion de défiance est donc close, et je vais mettre aux voix cette motion de défiance. Mais auparavant, je souhaite nous rappeler que, conformément à l'article 156, seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'Assemblée, soit 29 voix. Donc, vous avez devant vous les bulletins qu'on va vous distribuer. Le blanc, le pour et le contre. Je vous indique aussi que selon l'article 122, dernier alinéa, le vote par procuration est interdit. Donc je demande au secrétaire de l'Assemblée de bien vouloir distribuer les bulletins qui ont été préparés, conformément à l'article 44 du règlement intérieur. Nous allons donc procéder au vote de la motion de défiance.
Les secrétaires qui vont donc m'assister sont Mesdames Brodien et Lévy Agami. Bien, les bulletins et les enveloppes ayant été distribués, le scrutin est ouvert. Je demande donc à Madame le secrétaire général de faire l'appel des représentants à l'Assemblée. Madame Algoïma. À voter. À voter. Monsieur Alfateri. À voter. À voter. Madame Big Sabrina, absente. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bissou Jean-Christophe. À voter. Voter. Madame Brodien-Rosine. À voter. Madame Chavez-Daphné. À voter. Monsieur Drolet-Jacqui, absent. Monsieur Foster-Temori. Monsieur Foster-Temori. Monsieur Foster-Temori. À voter. À voter. Madame Frébeau-Joël. À voter. À voter. Madame Galman Minari, absente. Madame Haïti Pascal, absente. Monsieur Anderson Georges, absent. Madame Irshan Nounoutea, absente. Madame Iritite Oula, absente. Madame Isal Hefara. À voter. Voter. Madame Jennings Tétoni Patricia, absente. Monsieur Colté Benoît. À voter. Madame Lévy Agami Sandra. À voter. Monsieur Lisan Marcelin. À voter. Monsieur Mamad Layahouta pour Victor, absent. Madame Maraya Emma. À voter. Monsieur Maraya Teina. À voter. Madame Matawa Leoni. À voter. Monsieur Matawa Mayron, absent. Madame Mati Juliana, absent. Madame Mercer Armel. À voter. Monsieur Moutam Thomas, absent. Madame Naya Teripaya Maron, absent. Madame Olivier Marise, absent. Madame Opa Annick,
Absent. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Porlite Kinoui. À voter. Madame Richton Monique, absente. Monsieur Romain Tarois Fernand. À voter. Madame Sage Maina. Voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Madame Saint-Jouparita, absente. Madame Tayata Chantal, absente. Madame Tawatama Juliette, absente. Madame Tama Françoise, absente. Monsieur Tosso Robert. À voter. Monsieur Chuyong Tunghi Achong Boro. À voter. Monsieur Tefarere Hirohiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar, absent. Monsieur Temeharu René, absent. Monsieur Teremate Ruben, absent. Monsieur Tiripayamita. À voter. Madame Tiruatea Sylviane. À voter. Voter. Madame Théoura Justine. À voter. Monsieur Tanson Gaston. Monsieur Tanson. Monsieur Tanson Gaston. À voter. Monsieur Kouahou Ismaël, absent. Madame Tichaud-Billard, Catherine, absent. Madame Vernon-Don Béatrice. À voter. Monsieur Vernon-Don Clarence. À voter. Monsieur Jacques, absent. Monsieur Yip Michel. À voter. Voilà, monsieur le président. Le scrutin est clos. Mesdames les secrétaires, voulez-vous procéder au dépouillement? Je vous rejoins. Par paquet de 10. Trente bulletins trouvés dans l'urne. Pour
Pour. 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 Blanc. Pour. Cinquante-sept représentants composant l'Assemblée. 30 représentants présents, 30 votants, 30 bulletins trouvés dans l'urne. 29 bulletins pour l'adoption de la motion de défiance. 1 blanc. La motion de défiance est adoptée. Du fait de l'adoption de cette motion de défiance, les fonctions des membres du gouvernement et de son président cessent de plein droit. Conformément à l'article 156, dernier alinéa, le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Je déclare donc M. Gaston Tongsong élu président de la Polynésie française à 10h32 minutes. Et je l'invite à prendre place au banc qui lui est réservé. Président, veuillez prendre place au banc qui vous est réservé. On aura tout le temps de nous congratuler après. Armaï Britanni, armaï.
Armoy. Président Armoy. S'il vous plaît, Président. Président Armoy, veuillez m'amener. On aura tout le temps après. Président Armoy, S'il vous plaît, mesdames et messieurs les journalistes, la séance n'est toujours pas close. S'il vous plaît, la séance n'est pas close. Si vous voulez qu'on clôt la séance, Président, je vous invite à prendre place. S'il vous plaît, vous aurez tout le loisir après pour toutes les interviews que vous voulez. Parce que plus ouvert et transparent que M. Tong Song, il n'y a pas dans le pays. Monsieur le Président, Armoy, moi. Armoy, Brittany. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Si vous souhaitez faire une brève allocution, la parole est à vous, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président, je voudrais, avec beaucoup d'humilité, vous dire combien je tiens ici à vous remercier, à remercier de la confiance que m'accordent les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, les élus du peuple, et mes remerciements vont en priorité à nos amis et chers collègues qui ont su surpasser
les intérêts personnels. Et en particulier, je voudrais qu'on applaudisse, qu'on remercie M. Michel Yip. Je vous demande de l'applaudir. Également Justine Théoura. Et je voudrais remercier par sa présence notre collègue et ami Armel Merceron. C'est un bulletin blanc pour. Je le sens. Et remercier l'ensemble des élus et représentants de l'Assemblée de Polynésie française qui m'ont publiquement accordé leur confiance. À travers eux, mes partenaires, mes compagnons de route, je voudrais ici dire un grand merci à Teniu Haumanahune, représentant par son président Teina Mareula, au parti Rautei, représenté par son président Jean-Christophe Bissou, au parti du IAPI, représenté par son président Émile Vernodon et représenté ici par son secrétaire général Hiro Tefarere, au parti Fethi Api, représenté par son président Philippe Schill, à notre partenaire du Tiato, représenté par sa présidente et maire de Pirin, Béatrice Vernodon, au Tatira Noteha, représenté par son président Robert Tansou, au Temanatoa, représenté par notre présidente, charmante présidente Sandra Léviagami Montaigne, et je ne voudrais pas oublier Oporinetia Totatoaya. Merci, merci du fond du cœur. Merci au groupe constitué au sein de, notre assemblée, Totatoaya, ainsi Temana Otomomutu, à son président Teinate Mareuda. Je voudrais également, même s'ils sont absents dans l'hémicycle, adresser mes salutations et mes remerciements au président Skatemaru qui a présidé le début de la séance, ainsi que l'ensemble des membres de l'UDSP. Je voudrais ici vous dire que vous m'avez confié une mission. À travers vous, le peuple tout entier, et j'ai sous les yeux l'accord de majorité signé par les 29 représentants de l'Assemblée de Polynésie française. Je ferai tout pour appliquer à la lettre de mission que vous me confiez, et je ferai tout pour mériter votre confiance et mériter la confiance que, vous, que le peuple vous a accordée et nous a accordée. Maru. Et jamais été à tout et à tout patron. Oui, Réma. Praurima tamouaroua. Yoran a mis à tout et à tout à tout à tout. T'es tout mou, tout mou, mouya. Noria. T'es n'yaronayou. Namouaroua. Ya ha maruru mai te hia. O tau te ipahono mai te ieti taura o ta tatou ma iti rai te imhana. Na muarwara te nyarone eo e ha maruru mai te. Na tino topiti o te faruru i te mou nene heparau i te mou wero atu. E te nyarone eo e ya pupo mai te tatou ya ratou. Ya Raoua, ya Michel Yip, tenu tu Justine Théoura.
Maruru e preteni. Te te aturi neu e tatou vātou te i tamai te imhana. Ua apo tatou te i mo parau pāri. Te te aturi neu e ua matara. Matara hua hua roa tō tatou roro. Tō tatou aau. E tō tatou varua. E whare i tātou, hare tātou i te tū kera, mō arata i āmon o te tūhia me mō i tātou. Ai tātou e parau e peretene, whaituito. Whaituito. Tātou vāt o, tini a tātou i te iewa. Nā tātou e hoa. Ia tāpai, no te meitai o te tāato arau. Mā te ore mōhia nā mua roa tō te maumotu. Tō tōa motu mā arewa mā. Tōna uhiwa. Tō tūha apē. Tō raro mātai. Harmai tūwei tō teiti nui te vei uri rau. Ua apō mai te tātou i kera mō parau. Kera nō te pōreu i tāuhi nā rofa hamon o i tātou. O te pēhine aro tātou e tupu mai te tāato arao te mō parau i tarima hei a tātou. E whātura tātou te parau tā tātou i tarima. Hauru atu e whātura te parau o tā tātou i parau noana e mō i tenura. Te atua, nā oe e whaoti te mō mai ato. Ai tā tamatou. Tamatou te opuara. Tā oe te whaoti rā. Te rā te poro i hōpai e peretene. Ui te au tō oe pāri, te rau e rātu mō parau tā oe i parau. E nōrea te hiñ arone oe ti aoro i tātou. Tātou tō te ia pērahei api, e whātura tātou i ke mō parau atu o tā tātou i parau. Tēnei, te tēra tātou i te teime hōpai, te hiñ arone oe hā maruru tā e o tō. O tō ti tamai. E hā maruru tā e o te tuahine. Te ia mo i tāna hopo ia. Armel, maruru, maruru roa. Whari mei tō mātou tāp o arofa, te arofa i arhei. O te, o hau tātou i te whare, tātou omutu e paraura ture ka pehana. La séance est close, la séance de plein droit est close.